Pour sergent Rudolf. Attends, je vais t'envoyer ça, salope. Allez. Oh putain. Oh la baudruche, hein, je te jure, la grosse salope. Ah, excusez. Vous en avez encore un peu là. Ah, c'est vrai. Ouais. Voilà. Donc, oui, vous nous avez appelé pour vos problèmes. Ouais. Vous collectionnez apparemment des milliers de films pornographiques. Ouais. Vous êtes inscrit sur divers sites Rencontres de webcam, dialogue coquin. Vous pouvez voir là l'écran. Vous avez peut-être pas droit pour la télé si on va. Non, mais on va se concentrer à l'interview, monsieur. Vous allez bien? Ouais. Excusez-moi, ouais. Rappelez-nous votre prénom. Jean-Richard. Jean-Richard, vous êtes sûr? Ouais, mon nom de pseudo c'est Jean-Richard sur les sites de coca. Et votre vrai prénom s'il vous plaît? Ah, mon vrai prénom? Jean-Luc. D'accord. Jean-Luc, j'encule. Ok, d'accord. Et depuis quand avez-vous ce problème avec le sexe et la pornographie, Jean-Luc? Bah, une fois. Vous savez, mes grands-parents, ils habitent. Attendez, je bave. Putain! Oh, vous savez quoi, le sperme ça pue, mais quand vous puez de la gueule et vous avez de la salive, c'est encore pire. Allez. Ouais, moi, mes grands-parents, ils habitaient dans une ferme. Puis un jour, je sais pas. J'ai vu un cochon, mon gars. Je lui ai pris le téton, je lui ai fait. Oh, t'adores ça, salope, hein? Et je fais ça depuis. Le sexe, c'est comme une passion, vous savez quoi? Comme les collectionneurs de bouchons de canettes. Oui, bouteilles, tout ça. De capsules de canettes. Ouais, capsules de canettes. Attends, je vais dire au revoir à ma salope. D'accord, et comment s'appelle-t-elle, cette salope? Anonymous. D'accord. Et vous n'avez pas peur de tomber sur des fakes, d'être filmé et retranscrit sur vidéo sur des sites internet? Ah ouais? Oui, ça arrive beaucoup. Surtout dans les pays comme la Côte d'Ivoire où... les gens se font passer pour certaines filles, montrent des vidéos en se faisant des webcams et après elles vous font chanter pour de l'argent pour pas que on montre la vidéo à vos familles. Ah ouais. C'est quoi? Moi je vous dis, ma famille je l'emmerde parce que ils disent que le sexe c'est fait pour l'amour, mais moi je dis c'est un plaisir, vous savez quoi, c'est comme une dépense. Vous savez, quand vous avez envie de vous faire un plaisir pour vous acheter votre caméra là, qui vaut. Je sais pas où vous avez acheté ça, mais bon ouais. Voilà quoi. Moi ce que j'aime bien faire c'est ça, moi ma passion c'est ça. Une fois il y a un ami à moi, il vient chez moi, il me fait t'en as foutu partout. Et je me demande de quoi foutu partout, parce que moi en fait je suis maniaque, mes affaires sont toujours rangées, mais des fois que tellement que je suis en chaleur, on va dire, j'ai du lubrifiant naturel qui goûte par terre quand je marche. Oui, et une fois, ma grand-mère s'est pété la gueule, elle a glissé dessus. D'accord, pouvez-vous nous rappeler votre âge, Jean-Luc? Attendez. Oh. Mon âge? Oui. Alors... Oh oui. Alors, mon âge, c'est... Attendez. J'ai bavé parce que j'ai pensé à quelque chose pour vous. Vous savez quoi? Je suis bisexuel aussi. Je fais ça avec les mecs. D'accord, je pense que nous allons terminer l'interview ici. Ouais. Moi, je suis pas d'accord. D'accord, Si vous voulez, je vous présente mon lit. Non, mais je pense que ça va. Ouais. Moi, attendez, parce que là, j'ai un peu chaud là dans la piole. Mais écoutez, je pense que nous allons y aller. Ah ouais, attendez. Vous savez quoi, le truc Star Wars là-bas? Je me mets souvent dans les fesses. Écoutez, je pense que nous allons y aller, monsieur. Ouais, je voulais...
Et action. Oui, bonjour Jean-Rudolphe. Est-ce que ça va, Jean-Rudolphe? Ah, vous êtes venu pour le... Vous bavez un peu, Jean-Rudolphe. Excusez-moi. C'est bien comme ça. Oui, c'est... Donc oui, vous nous avez appelé. Ouais. Est-ce que ça va, Jean-Rudolphe? Ouais. Oui, vous nous avez appelé parce que apparemment vous avez un problème. Ouais. Donc oui, vous regardez un petit peu trop de... Ça vous fait rire? Non, du tout, non. Vous regardez un petit peu trop de cassettes à caractère pornographique. Ouais, j'en ai 2500 dans... Et apparemment... On recommence, allez. Ça sera dans les bonus, ouais. Vas-y, tu me diras. Non, mais le problème, c'est que je sais pas quoi te dire, donc tant que je cherche, je rigole comme un con. Réfléchis ce que tu veux dire et après on y va. D'accord. Bon, par contre, ça enregistre là, ça tourne, mais laisse tourner, de toute façon, c'est une cassette neuve, faut la user. Même si je rigole, surtout, tu dis rien. T'inquiète. Tu fais style que je rigole pas. Mmh. Je crois que je vais pas te regarder, sinon je vais péter une main. Tu me dis, hein. Allez. Tu me dis quand t'es prêt, hein. Et... Et... Action. Bonsoir, Jean-Rudolphe. Ah, vous avez ramené le matériel? Oui, Tu repenses à la scène du Dijon. Non, mais... Tu me dis, hein. Bonsoir, Jean-Rudolphe. Il y a un paquet de clopes, l'autre. Ah ouais? Ah ouais. C'est pour ça que je suis animateur ambianceur, bac pour machin. On recommence, allez. Je me tire ça, j'ai trop chaud. Ah, on a rigolé, ça donne chaud quand même. Ah bah oui, mais c'est marrant. Oui, bonsoir Jean-Rudolphe. Vous nous avez contacté à propos... Appelle Alexandre. Non mais, le pire c'est même pas ça. Le pire c'est que c'est con, tu vois, que t'as du mal des fois à tuer de moi parce que t'es un putain d'acteur en fait. C'est ça le pire. Bah oui, mais vas-y, c'est bon, vas-y, on va y arriver, t'inquiète. Vas-y, hein. Tu me dis, hein. En fait, le problème, c'est comme je m'y attends pas, n'est obligé que je rigole, tu vois. Parce que moi, je suis bon public. Faut qu'on sache qu'on va vers. Attends, vas-y. Essaye de trop. Des chats morts. Non, mais t'inquiète. Faut pas que non plus que je te regarde aussi. Parce que si je te regarde, c'est là que ça va te donner envie de rigoler aussi. Vas-y. Bonsoir, Jean-Rudolphe. Vous nous avez appelé. Ouais. Non, c'est... Attends, mets-toi en cabus. Non, tu veux?
Attends, mais si ça va.